Bonsoir à toutes et à tous, bonjour, hein, tout dépend sur quel fuseau vous évoluez. On se retrouve pour un stream crypto du jeudi en compagnie de Marc Zeller. Ça fait 6 mois qu'on ne t'a pas reçu sur cette émission du jeudi, donc c'est toujours un plaisir de revenir en fait sur de t'avoir sur ce format. Très très content de t'avoir. Comme d'habitude, je co-héberge cette émission avec Benoît Huguet en haut à droite de l'écran. Mesdames et messieurs, je vous laisse un peu de temps pour me faire part de vos retours sur la qualité audio ainsi que la qualité vidéo. Et puis on va attaquer ce live. Il n'a pas été tant préparé que ça. Hein. On va trouver des sujets. Si, si, Oh, moi on a j'ai plein quelques de choses à questions, dire. t'inquiète. T'inquiète. En tout cas, c'est un grand plaisir de passer dans l'émission, voir le jour d'un Bitcoin. Samy, on s'est vu il n'y a pas longtemps dans la fameuse émission spéciale qu'on a fait à trois chaînes. Et Benoît, quel plaisir de te retrouver depuis Biarritz. Ah, Il eh fait bien, un le peu plaisir plus partagé. froid, mais c'était vachement bien et j'espère qu'on se reverra avant le prochain Surfing Bitcoin quand on aura l'occasion. Eh bien, je suivais ton fil Twitter avant l'émission et tu annonçais justement les conférences auxquelles tu participerais. Et je crois que la prochaine, c'est Barcelone. En tout cas, moi, c'est Barcelone qui me tente avec de l'Ethereum, de l'Avalanche. Il y avait l'air d'avoir quelque chose qui de la vie à Barcelone. Exactement, ce sera en mars. Je vais d'abord à Avalanche. Ça s'organisera avant nos amis d'Ethereum et ce sera assez intéressant. Et juste après, j'enchaîne sur ETH Barcelona. Donc ça va être un peu cool. Et un peu avant, à la fin du mois de janvier, je vais passer à NFT Paris, bah, je ne connais pas encore. Je crois que c'est une première édition, mais c'est organisé par l'équipe de Paris Blockchain Week, si je ne dis pas de bêtises. Ça a l'air plutôt intéressant. Donc, je vais passer y faire un tour. T'as les dates en tête de fin janvier ou pas? C'est le Par exemple, 22 janvier précisément. super, ok. Ben, je sais qu'il y a beaucoup de traction, hein, autour des NFT, donc et effectivement, je ne sais pas s'il y a déjà des conférences dédiées à ce sujet. En tout Ouais, cas, il y en a une à New York, c'était pas la folie, hein, NFT à New York, je crois. Puis à ouais, Dubaï, c'était une cata. les ah conférences oui, mince. NFT, mauvaise réputation du fait de Merde. l'audience. Parce que bah voilà, c'est on parle d'une technologie émergente, on parle d'un écosystème où il y a à boire et à manger et tout n'est pas forcément succulent au menu. Et du coup, oui, on croise beaucoup de gens dans ce type de conférence qu'on n'a pas forcément envie de croiser. Dans le sens où on sent qu'ils sont arrivés il y a 6 mois, ils repartiront 3 semaines après un potentiel crash de marché, un bear market. Et du coup, bah, c'est pas forcément. Les intentions sont visibles. Voilà, on va dire ça comme Oh, ça. mais tu sais, la première intention est rarement vertueuse. En fait, moi, c'est ce que j'ai observé. C'est-à-dire qu'on arrive souvent poussé par la cupidité dans cet univers. On prend une leçon, parce que la cupidité seule ne suffit pas. Et ça permet de trier, en fait, le bon grain de livret, on va dire. Mais en tout cas, ouais, moi, ce que j'observe à titre personnel, c'est que dans les newcomers, enfin, dans les nouveaux entrants, mais le marché des NFT en apporte beaucoup. Et donc, moi, je trouve qu'on a besoin d'une armée nombreuse. Évidemment, on aurait besoin d'une armée éduquée, mais écoute, je suis, voilà, le marché des NFT me fascine. Ok, et j'ai remarqué autre chose sur les conférences, c'est que toi, tu ne vas pas aux États-Unis, Marc, et donc tu dois avoir tes raisons. Est-ce que tu nous en parlerais? Bah, première chose, il n'y a rien de transcendant qui s'organise aux États-Unis. Les retours que j'ai eus, Sam en parlait juste avant de NFT New York qui était une catastrophe un peu généralisée. Il y a Endenver dans la communauté Ethereum qui fait partie des conférences importantes. Mais ils m'ont fait un peu grincer des dents sur leur politique de protection des données. Pour moi, c'est des choses qui sont assez importantes, la privacy, la vie privée, etc. Et Endenver, en fait, c'est une conférence qui fait le choix de vendre les données des participants à leurs partenaires commerciaux. Et Donc, voilà. si... Donc, ils ne vendent pas de tickets, c'est gratuit pour y aller. Mais quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et du coup, quand vous y allez, toutes vos informations sont communiquées à leurs partenaires. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est absolument inacceptable. Donc, Il faut je un comprends. spork. Je crois Comment? qu'il faut un spork pour avoir des chances d'être accepté parmi les attendees. Tu sais, tu dois acheter leur NFT à 0,1 Ether, le Ah, spork. en plus, il faut acheter maintenant. Ah Mais en oui, fait, donc. t'as pas la garantie d'être accepté gratuitement pour commencer si ton profil n'est pas deemed worthy judge, en fait. Et si tu veux être en haut de la liste de processing pour les applications, il faut que tu achètes le spork.
c'est un NFT, il faut que tu donnes ton wallet dans lequel il y a le sport, tu signes un truc. En fait, c'est particulier, il faut acheter le NFT de Denver. Ouais, bah, c'est encore pire du coup. Donc voilà, je ne serai pas à Denver. Et après, les autres conférences, Bitcoin Miami, ce n'est pas le public ni l'ambiance que je recherche personnellement. Ça ne veut pas dire que je juge, hein. Il y a des choses très bien qui s'y passent, mais moi, je ne suis pas un trader, je ne suis pas particulièrement un spéculateur ou ce genre de choses. Ce qui m'intéresse, c'est aller voir les conférences et discuter avec les gens avec qui je travaille toute l'année, à qui je parle sur Twitter, Telegram, etc. Et ce n'est pas forcément ces conférences-là où on s'y retrouve le plus. Donc voilà, après, bon, il y a plein de... régulations ou des choses comme ça, en fait, parce que je sais que c'est quoi, c'est le patron de qui avait eu un warning à la conférence Messari. Non, c'est Dokwan. Voilà, et donc ce genre de douceur, peut-être que ça peut arriver plus fréquemment aux États-Unis qu'ailleurs ou pas? Alors, sur le papier, mais c'est par rapport à l'activité d'AV, le risque est très faible, voire inexistant. Dans le cas de Terra Luna, on est quand même sur une plateforme qui fait des dérivés, alors des synthétiques pour être plus précis. Ceux qui connaissaient, qui étaient là dans le cycle précédent ou qui connaissaient un peu la défi avant l'été 2020, ça ressemble un petit peu sur le papier à Synthetix Network par exemple. Donc cette idée d'aller faire l'UST qui est un stablecoin qui représente un dollar et tout un tas de tokens qui représentent d'autres valeurs, c'est ce qu'on appelle des dérivés au sens large. Là, je simplifie. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement régulé. Donc, quand on est le fondeur d'un protocole qui fait ça, c'est pas forcément la meilleure idée d'aller se pointer aux États-Unis. Mais ils l'ont pas arrêté. Hein. Il est pas en prison aujourd'hui. Hein. Il a des dossiers. Et puis, c'est compliqué. Je connais pas assez le dossier pour avoir un avis hein, d'un côté ou de l'autre. Il a contre-attaqué d'ailleurs la SEC parce que à travers je crois qu'ils ont révélé des informations qui n'étaient pas censées en fait disclose, qui promettent totalement. Enfin bref, c'est une histoire un peu farfelue. Mais ouais, il s'est fait, il a été convoqué dans la conférence, mais rien de bien grave. C'était une bonne conférence après, un événement de chaîne agnostique intéressant aux États-Unis. Est-ce qu'après ça valait le trajet? Moi, j'ai envie de dire oui, mais. C'est bien qu'on ait plus de conférences du même type en Europe, mais le mois en fait à Lisbonne des différents écosystèmes fait un peu le même taf. Quoi. Moi, j'ai trouvé le mois à Lisbonne absolument incroyable en termes de qualité, en termes de diversité, diversité de public aussi, parce que d'une conférence à l'autre, on croisait pas les mêmes gens. Et j'appelle un peu de mes voeux que on est en train de construire et de soutenir des plateformes qui se veulent décentralisées. Donc, pourquoi tout se passerait aux États-Unis? Ouais, clairement. Clairement. Alors, moi, l'autre question qui me tarabuste, je ne sais pas comment on dit le mot, mais par là, oui, qui me taraude. Ça serait, comme tu es quand même un amoureux à la base d'Ethereum, alors évidemment, il y aura la roadmap de AAV qui est ton champ de travail, mais sur justement, est-ce qu'on peut faire confiance à la roadmap Ethereum 2.0? Est-ce que les deadlines seront tenues? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Première chose, je me considère comme un maximaliste en rémission. C'est-à-dire que j'étais vraiment plus dur que ça avant. J'avais une certaine fermeture d'esprit sur les choses. Et ce qui a changé, c'est à partir de l'été de la DeFi et surtout au début de l'année 2021, où je me suis rendu compte que, par exemple, la finance décentralisée, qui est mon point de focus, devenait inaccessible à la plupart des gens. Or, on est dans le même cas tous les trois, on est là pour partager des connaissances, on est là pour ouvrir des choix et offrir des possibilités à des gens. Et aujourd'hui, Ethereum, si tu as moins de 50 000 $, c'est pas la peine. En fait, il n'y a pas d'autre manière que de le dire, et c'est un état de fait. Aujourd'hui, si vous avez moins de 50 000 $, n'allez pas sur Ethereum Layer 1. Donc en fait, soit je me dis, moi je les ai les 50 000 $ et je m'en fous, et de toute façon, au jour, il y aura des Layer 2, et on reste comme ça, et tant pis si on n'est pas assez riche pour utiliser ça. Soit je m'ouvre un peu l'esprit et je me dis, tout ça c'est dans un spectre, il n'y a pas complètement décentralisé d'un côté, complètement décentralisé de l'autre, et on s'ouvre l'esprit et on parle aussi d'autres projets,
et qui peuvent être plus accessibles à différents types de publics. Et quand on ouvre un peu cette porte, on tombe un peu dans un rabbit hole où on se dit, bah, en fait, il y a différents publics qui ont différents besoins et qui ont différents ethos ou valeurs qui leur conviendront. Et du coup, par exemple, moi, crypto.com, je n'aimais pas du tout avant. Maintenant, je considère, je suis en train de réfléchir à me prendre une carte. Alors qu'avant, si tu m'avais posé la question en 2019-2020, au début de Défi France, bah, moi, je disais, non, moi, j'ai une carte monolithe dans mon portefeuille parce que c'est décentralisé, parce que c'est dans un smart contract, etc. Aujourd'hui, crypto.com, bah, j'ai rien contre. Dire que c'est décentralisé. Tu vois, je vais continuer à avoir les arguments que j'avais avant, mais le jugement de valeur que j'avais avant, il a beaucoup évolué. Et pour revenir à ta question, excuse-moi, j'aime bien, ça me plaît beaucoup, ce que tu dis. Pour revenir à ta question, clairement, sur la roadmap d'Ethereum, plus personne n'a confiance en la Ethereum Foundation, et ils ont raison, parce que la Ethereum Foundation n'ont pas tenu leur promesse depuis leur création. Mais sur le point précis d'Ethereum 2.0 et surtout ce qu'on appelle le merge, c'est-à-dire l'arrêt du proof of work pour le début du staking, ça, moi, j'ai 100% de confiance dans le fait que ça sortira au cours du premier semestre 2022. Pourquoi je dis ça ? Parce que les validateurs qui existent aujourd'hui depuis maintenant un an fonctionnent. C'est-à-dire qu'ils testent actuellement en production, même si ce qu'ils valident n'est pas considéré comme canon par la chaîne principale, qui est la chaîne Proof of Work actuellement, mais ils le valident. Quand ils se trompent, eh ben, ils sont slashés comme ils devraient être slashés. Quand ils ont raison, ils ont les récompenses comme ils devraient avoir les récompenses. Et ça fonctionne bien. Les clients évoluent bien. Il y a eu un hard fork très récemment et une évolution du client Ethereum 2.0 très récemment qui a encore amélioré les performances. Et aujourd'hui, il y a peu, à la fois sur ce qui a été fait et à la fois dans les cercles des gens qui travaillent directement dessus, de doutes et d'indices qui iraient vers un report. Est-ce que ça arrivera en mars ? Je ne pense pas. Est-ce que ça arrivera plutôt avril, mai, peut-être début juin ? Ça me semble plus crédible. Ok. Et in concreto, qu'est-ce que ça donnerait pour l'utilisateur ? Qu'est-ce qu'on pourrait voir comme changement ? Effectif, une baisse des coûts, de quel ordre ? Absolument pas. C'est une légende urbaine qui a traîné depuis longtemps. Non, mais j'en sais rien. Le merge apporte zéro scalabilité. Zéro. Zéro. C'est dans le sens où les blocs ne sont pas plus grands, le block time n'est pas plus rapide, on ne peut pas faire plus de transactions, etc. Zéro scalabilité. Ce qui change, c'est la première chose, c'est l'abandon du mining. Donc ça a des conséquences déjà sur le tipping qui va au staker et plus au miner. Oui. Donc, ce n'est pas forcément les mêmes acteurs. Et dans la première phase, les tips ne sont pas withdrawables parce que en fait, quand il y a le merge sur le validator node, on ne pourra pas encore withdraw ses rewards. Ça arrivera quelques mois plus tard. Ça, c'est une première chose. Donc déjà, maintenant, les tips, ça va à des acteurs qui ne peuvent pas vendre. Donc ça, économiquement, c'est toujours sympa. La deuxième chose, c'est la narrative. C'est vu qu'Ethereum abandonne le proof of work, nous, on n'en a pas trop conscience parce qu'on est tout le temps un peu dans la crypto, etc. On vit, et c'est le fait des réseaux sociaux dans une bulle, ce qu'on appelle la echo chamber. Mais dès qu'on parle NFT, dans le milieu du gaming, par exemple, j'en avais parlé récemment, ils disent « Ah, ça détruit la planète, ça tue les ours polaires, etc. » Toute cette narrative-là, elle disparaît parce que le proof of stake a une empreinte carbone, comme toute chose a une empreinte carbone, mais on parle de 0,5% de ce qu'il y a actuellement, voire moins que ça. Donc déjà, en narratif, c'est important. Et dernier point, et ça, c'est peut-être le plus important, économiquement, l'inflation sur Ethereum s'écroule. On parle de triple halving. Ça a l'effet d'un halving sur Bitcoin qui arrive tous les 4 ans. 4 ans. Mais là, sur un jour, il y aura l'équivalent de 3 halvings d'un seul coup. Et du coup, on rentre directement dans la phase d'inflation négative, de déflation d'Ethereum, puisque plus d'Ether seront brûlés par bloc que d'Ether produits. Donc, la supply d'Ethereum se réduit et, a priori, continuera de se réduire sur le long terme. Ok, ben, c'est très intéressant. Il y a le rollout des shards, en fait. Et là, on va pouvoir distribuer un peu la load, la congestion, sur paralléliser, en fait,
les transactions sur plusieurs unités de traitement. Et c'est là où éventuellement, en tant qu'end-user, on aura une amélioration peut-être sur le plan des frais. Mais on n'y est pas encore. Ça, c'est le vrai challenge. Ouais. Ça, c'est plus la fin de l'année 2022, voire 2023. Ouais. Aujourd'hui, pour qu'Ethereum devienne accessible, la seule solution, elle s'appelle Arbitrum, elle s'appelle Boba Network, elle s'appelle Optimism, elle s'appelle Starkware avec le Starknet. C'est des solutions de Layer 2. Et en fait, c'est normal. Si on pose la question à un Bitcoiner, il dira, bah oui, un Layer 1, c'est pas fait pour acheter des NFT et c'est pas fait pour acheter un café. À l'époque, c'était la fameuse vending machine de Satoshi Nakamoto. Aujourd'hui, si on veut acheter un café avec du Bitcoin, on utilise Lightning Network. Demain, si on veut acheter un NFT à 10$ parce qu'on joue à son jeu vidéo préféré, eh ben on le fera sur Arbitrum, sur Boba Network, sur Optimism, sur Starknet. Comme aujourd'hui, on utilise Starknet pour jouer à Sorare, par exemple. C'est un settlement layer, c'est-à-dire qu'on compile plein de transactions sur des environnements où les transactions sont peu chères et on utilise la sécurité d'Ethereum pour je vois dans le chat une remarque intéressante. Effectivement, avec l'abandon du proof of work, nos amis les mineurs arrêteront d'acheter toutes les cartes graphiques et du coup cette guerre que les gamers nous détestent parce qu'ils peuvent pas mettre de cartes graphiques dans leur PC à cause des mineurs d'Ethereum, cette guerre va peut-être s'arrêter puisqu'ils pourront retrouver des cartes graphiques dans leur rayon. Et ça a peut-être un effet qui va... Ils vont arrêter de détester la crypto, peut-être. Oh, on va savoir, tu sais. Mais en tout cas, c'est intéressant. Donc ça, c'était un petit point sur la roadmap de Ethereum, les évolutions. Et pour rebondir sur ce que tu disais, tu vois, dans ton évolution philosophique, en fait, avec, évidemment, ton amour profond on va dire, inatteignable, en tout cas, je suppose que c'est quand même... Ça reste ta chaîne préférée, tu vois, Ethereum, mais tu t'es quand même ouvert à d'autres solutions. Et du coup, d'ailleurs, c'est la position de AAV. AAV est cross-chain. On a été l'un des premiers à le faire, protocole, avec Polygon d'abord, Avalanche ensuite, et la V3 bientôt sur toutes les EVM. Ben bon, moi, je trouve que c'est la voie de la raison. En tout cas, c'est une voie, pragmatique. Et je serais curieux de savoir, donc, dans cette approche, puisque tu t'y penches maintenant in concreto, mais quels sont les L1, les autres L1 que tu trouves les plus crédibles, les compromis que tu apprécies, ceux que tu n'apprécies pas, hein, je veux dire. Et aussi, moi, quelque chose que j'aimerais bien comprendre, c'est parce que d'un point de vue utilisateur, je ne vois pas énorme différence entre les solutions de Layer 2 et les Layer 1 alternatifs. C'est-à-dire que ce que je regarde bêtement, on va dire en tant qu'utilisateur, c'est les frais que ça me coûte et finalement la richesse de l'écosystème. Et quand je vois un AV qui va être soit sur des Layer 2, soit sur des Layer 1, finalement, je trouve, pour moi, c'est assez indifférent de choisir un Layer 1 alternatif ou de passer par un Layer 2 d'Ethereum. Est-ce qu'il y a une différence profonde? Je suis désolé, je vais encore être bavard, mais c'est un gros sujet. C'est là. Hésite pas à me couper hein, si je suis trop long. Alors, la première chose, c'est qu'un layer 2 va se reposer sur la sécurité d'un layer 1. Donc, en fait, quand on utilise Arbitrum, Optimism ou Starknet, en fait, in fine, la sécurité de ce qu'on est en train de faire sur la blockchain se retrouve sur Ethereum. Et Ethereum, c'est le deuxième réseau le plus sécurisé du monde après Bitcoin. Donc, il y a déjà cette notion de sécurité. Et pour donner des comparaisons, donc quand on utilise Arbitrum, au final, au bout d'une semaine, on a la sécurité d'Ethereum. J'ai simplifié, mais c'est à peu près ça. Quand on utilise la BSC, on fait confiance à 18 validateurs qui existent quelque part dans le monde. Font-ils tous partie de la même entité ou pas? Ça, c'est un débat, etc. Et si ces 18 validateurs-là... rentrent en collusion, ils peuvent potentiellement partir avec la caisse. Aujourd'hui, est-ce que ce qu'on appelle la game theory, la théorie des jeux, pointe sur le fait que est-ce que c'est plus rentable de toucher les frais d'agir honnêtement comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant et comme ils semblent le faire dans le futur, ou alors partir avec la caisse et un bon gros coup? Ça, c'est pas les mêmes niveaux de risque. Mais en tout cas, ça existe. Quand on va sur Phantom, c'est la même chose. Quand on va sur Polygon, il y a très peu de validateurs aussi. Et ça, il faut le dire, hein, et c'est important. Avalanche, c'est un système légèrement différent, mais ça reste aussi
plus centralisée qu'une solution comme Ethereum. Mais aujourd'hui, on n'est pas sur les mêmes curseurs de risque. Ça, c'est la première chose. Sur un layer 2, in fine, on aura la sécurité du layer 1. Sur une alternative layer 1, bah, on se retrouve qu'avec la sécurité intrinsèque de ce réseau. Donc, c'est une chose que le marché est plus ou moins prêt à pricer. Beaucoup d'utilisateurs s'en foutent. Ça, très clairement, hein, quand on regarde les données de marché, la sécurité, quand on demande aux gens, c'est important. Quand on demande aux gens, bah, est-ce que tu es prêt à payer 120$ pour faire ton transaction pour cette sécurité que tu considères importante, là, il y en a moins qui disent oui. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. Mais est-ce que tous les usages ont besoin d'un tel niveau de sécurité? Et ça, c'est une question. Moi, je reviens encore, tu vois, on s'est vu à Surfing Bitcoin la dernière fois, mais on me qualifie de maximaliste, mais il faut reconnaître ceux qui étaient là avant nous et ceux qui se sont posés exactement les mêmes questions face exactement aux mêmes problèmes qui arrivent aujourd'hui sur Ethereum et associés, mais sur Bitcoin à l'époque, et disaient, est-ce qu'on fait des gros blocs directement sur le layer 1 pour faire plus de transactions et des transactions moins chères, ou est-ce qu'on fait des layers 2? Eh bien, il y a eu une partie de la communauté Bitcoin qui est devenue Bitcoin Cash, ABC, etc., qui ont pris la solution des gros blocs. Et effectivement, hein, bah, ça ne coûte rien d'utiliser Bitcoin Cash, mais en même temps, personne n'utilise. Oui, bon, il n'y a pas beaucoup de demandes non plus. Ouais. Voilà. Et il y a eu la partie majoritaire de la communauté qui a dit, bah non, les transactions avec peu de valeur ou la sécurité est moins importante que les frais de transaction qu'on est prêt à payer, eh ben, ça va être sur des layers 2 de type Lightning Network. En fait, tout ce débat qu'on a aujourd'hui, il a déjà eu lieu en 2017 avec la fameuse guerre des blocs, de la taille des blocs. Donc, ayons l'humilité de voir ce qui s'est passé chez nos aînés, d'en tirer les conclusions nécessaires et puis d'appliquer ça et de se faire sa propre opinion. C'est Bruchner qui dit ça, qui est un cryptologue, et il dit que la sécurité, en fait, c'est souvent un compromis. Et par exemple, si souvent le besoin de sécurité, en fait, il est fonction du montant à protéger. Si tu veux protéger 1000 balles, finalement, une solution technique un peu dégueu, comme la BSC, quand même, reconnaissons-le, qui est sans doute, c'est pas... voilà, c'est très centralisé, en fait. Mais finalement, qu'est-ce que tu veux? Ben, tu veux une richesse d'écosystème et des frais bas. Alors maintenant, je pense qu'on a des meilleurs compromis. Mais à l'époque, en fait, moi, ce qui m'avait fait apprécier la BSC début 2021, c'est qu'on n'avait pas beaucoup d'écosystèmes qui soient à la fois riches et avec peu de frais. L'univers a changé. Fin 2021, on a quand même des alternatives qui vont pouvoir être à la fois riches en services proposés et quand même avec sans doute une architecture en fait moins centralisée, moins dégueu que la BSC. Moi, je pense notamment à Avalanche. Je maîtrise pas parfaitement Polygon, mais c'est quand même, l'univers est quand même méga riche et je sais pas au niveau de l'infra comment c'est, mais ça a l'air un bon compromis. Je t'en prie, je t'ai interrompu, désolé. Ouais. Quelle serait toi, Marc ou Samy, vos solutions préférées, vos alternatives préférées et pourquoi? Vas-y, Samy. La question, c'est quelles sont mes alternatives préférées au layer 1 que tu viens de... À Ethereum, ouais, voilà, enfin, pour aller chercher un petit peu de scalabilité en attendant l'avènement de Ethereum 2.0, le grand, le beau. En fait, il faut regarder l'offre, les produits disponibles sur chaque chaîne, je pense, et voir lesquels correspondent le mieux à ce qu'on a envie de faire. Moi, sur Avalanche, je trouve qu'il commence à avoir une petite sélection d'applications sympas, des money markets, des AMM qui fonctionnent plutôt bien. On peut aussi aller sur Solana qui a son propre écosystème très spécifique. Il y a plein, on peut penser sur Terramoni par exemple, d'applications qu'on trouve exclusivement sur Terramoni. On pourra par exemple, je sais pas, Anchor, Astroport, on trouve des petites choses qu'on n'a pas sur certains écosystèmes. Et je pense qu'il faut choisir... Il faut en choisir quelques-uns. Sur Polygon, il y a pas mal de NFT, de play to earn qui se build sur Polygon. Donc, si on est plus là-dedans, on va peut-être aller sur des systèmes comme Polygon, Immutable X. En fait, c'est spécifique à l'utilisateur. Mais moi, j'y crois pas, en fait, au réseau pas cher qui est décentralisé parce qu'il faut redéfinir ce que c'est la scalabilité. La scalabilité, c'est augmenter les performances sans compromettre la décentralisation. Et la plupart des réseaux arrivent à augmenter le throughput, le nombre de transactions à la seconde, mais il y a toujours des trade-offs qui sont faits. Il y a une dimension de temps. C'est-à-dire que les solutions qui sont proposées, combien de temps elles peuvent durer?
Et aujourd'hui, toute la première génération des blockchains alternatives qui reprenaient le VM avait un peu comme Bitcoin Cash, hein, au final. On va faire des gros blocs, on s'en fout que la blockchain soit très grosse et que les validateurs doivent avoir des grosses machines, parce que c'est pas grave, parce que les validateurs, ce sera du delegated proof of stake, et donc ce seront des professionnels qui stakeront plein d'argent et qui gagneront de l'argent de cette manière-là. C'est le modèle BSC, c'est le modèle Polygon avec la proof of stake, stake chain, c'est le modèle Fantôme avec leur DAG, mais qui a un peu ce modèle-là où il faut avoir un historique. Et en fait, le truc, c'est que ça ne marche pas à long terme. Ça ne marche pas du tout. Et la BSC est un excellent exemple de ça, puisque la BSC a monté un bloc sur Ethereum. À la base, c'était 10 millions d'unités de gaz. Donc voilà, chaque transaction consomme un certain montant d'unités de gaz. Une transaction basique, c'est 21 000, pour vous donner une représentation. Une transaction plus complexe, elle est déposée dans un protocole DeFi, ça va être 100 000, 120 000, 150 000. Mais voilà, donc 10 millions d'unités de gaz, c'était un bloc basique d'Ethereum. Depuis 1559, on est monté à 20 millions maximum sous certaines conditions. CZ et Binance, ils ont dit, nique sa mère, 100 millions. Donc voilà, on fait x10. Et ils ont augmenté la fréquence en plus. Et ils ont augmenté la fréquence, je crois que c'est 5 secondes, mais effectivement, ouais. Tu as raison, au lieu de 15. Donc x30. Ouais. Donc quand tu appuies sur un bouton x30, et si tu as des grosses machines, pourquoi pas. Sauf que quand la BSC a fait un petit peu du bruit à l'été 2020, et surtout à la fin de l'année 2020, il y avait 100 validateurs et 21 actifs. Donc 21 validateurs actifs et 100 validateurs en attente. Aujourd'hui, plus personne au monde n'est capable de synchroniser la chaîne BSC. Aujourd'hui, quelle que soit votre machine, si vous essayez de synchroniser la chaîne BSC, vous n'y arriverez pas. Vous ne rattraperez jamais votre retard sur la chaîne. Et aujourd'hui, alors, comment ça marche, hein? La dernière fois que j'ai vérifié, mes informations ont un peu plus de 2 semaines, parce que j'ai d'autres choses à faire en ce moment, donc je ne suis pas sur le dossier. La dernière fois que j'ai vérifié, le nombre de validateurs synchronisés de la BSC était de 18. Donc, on est passé de 21 plus 100 au cas où à 18. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent même pas à remplir leurs 21 slots de validation. Ils la flamme, en fait. Il ne faut pas qu'ils perdent le vœu, parce que c'est un peu plus bootstrap. Donc on me dit dans le chat qu'il y a 3 nœuds qui fonctionnent actuellement sur BSC. Faudrait vérifier cette information. Ça fait pas beaucoup. Ce serait très, très alarmant si c'était le cas. Mais Il doit y avoir l'énorme nœud de CZ, quand même. Le problème, c'est que comme plus personne peut synchroniser et qu'il n'y en a plus que 18 actifs ou 3 dans le pire des cas, mais ça je réserve mon jugement parce que je n'ai pas vérifié cette information. Le truc, c'est qu'un nœud qui se désynchronise, ça arrive tout le temps. Si vous avez déjà fait tourner des nœuds, ça se désynchronise parfois. Et si tu ne peux pas te synchroniser, en fait, on assiste à la première fois de l'histoire, en tout cas dans les blockchains notables, à une blockchain qui meurt. En fait, la blockchain meurt parce que une fois que tu n'as plus de nœuds synchronisés, comment tu fais tes blocs? Attends, Marc, on n'y est pas encore. Ils ne sont pas encore morts, mais là, ils toussent. Ils se contentent. Là, ils toussent. Là, c'est une forme. C'est horrible. Moi, je m'en sers tous les jours. Et même les RPC, tu ne peux plus les reach sur MetaMask 1 heure par jour. C'est horrible. Tu ne peux pas, du coup, voir les. C'est une cata. Tu as plein d'applications qui sont en train de lâcher BSC. Par exemple, moi, je travaillais avec Connex sur Expolinet. Aujourd'hui, BSC, c'est ciao. En fait, leur nœud a lâché. Du coup, ils n'arrivent pas à transmettre des transactions. Comme ils veulent garder le contrôle et pas juste balancer un des nœuds qui n'est pas sous contrôle, vu qu'on parle d'un routeur, d'un bridge, où peut y avoir potentiellement, où il y a déjà des centaines de millions de dollars, tu vois, tu ne peux pas déléguer ça, c'est trop important. Du coup, ils ont lâché l'affaire. Aujourd'hui, il n'y a plus de support BSC. Après, c'est un choix. Comme c'est centralisé, comme c'est Binance, dans le pire des cas, si ça lâche, ils font un snapshot. Ils repartent de zéro et puis on est reparti comme dans 40. Ce n'est pas décentralisé, donc ils s'en foutent. J'ai coupé. Non, mais j'avais terminé mon point. Donc, juste le point pour revenir au début de l'argument, c'est que il y a des solutions qui marchent très bien à court terme, mais qu'est-ce qui se passe au long terme? Et en fait, la seule différence entre Polygon aujourd'hui et la BSC maintenant, c'est 6 à 8 mois. Parce que Polygon a les mêmes soucis.
Polygon a des gros blocs, moins gros que la BSC, c'est vrai. Polygon a du proof of stake où il faut garder tout l'historique. C'est compliqué de synchroniser un nœud sur Polygon. Chez AV, là, on a dû le refaire pour de nouveaux modules et la V3, ça nous a pris deux semaines. Deux semaines pour synchroniser un nœud, c'est long. C'est très, très long. Mais là où c'est important de regarder, c'est où est-ce que la team, la fondation qui porte le projet, qui porte la blockchain, regarde et anticipe. La BSC, ils n'en ont rien à foutre. Polygon, ils ont acquis Hermès, ils ont acquis Mir récemment. Oui. Mir. Oui. Bah, voilà. C'est Mir. Et récemment, et ils ont vraiment ce truc de, on sait que ce n'est pas sustainable, on avait besoin d'un truc qui marche maintenant pour résoudre au problème de maintenant, parce que les technologies alternatives, elles n'étaient pas prêtes il y a 6 mois, elles n'étaient pas prêtes il y a 9 mois. Mais le but du jeu, c'est qu'on est un peu dans une course contre la montre. On sait que ce ne sera pas sustainable, la version de Polygon qui existe aujourd'hui, mais c'est qu'on soit prêt pour switcher sur une solution plus long terme après. Et ça, j'apprécie j'ai plus d'appréciation. Plus de sympathie. Plus de sympathie pour ce type de projet qui ont conscience de ce qui est en train d'arriver. Solana, par exemple, il y a très peu de validateurs, c'est des très gros blocs, beaucoup de fréquences de blocs, mais ils n'ont pas du tout ce problème de la BSC ou Polygon, parce que leur système de consensus est proof of history, et eux, tant qu'ils ont des machines suffisamment puissantes pour avoir deux jours, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas un mécanisme de consensus, proof of history, c'est une horloge avant le consensus. Mais en fait, un nœud n'a besoin que deux jours d'historique, on est d'accord. Ouais, c'est ça, c'est impossible de toute façon de bootstrap le dernier état. Tu peux pas sync un full network state sur Solana, c'est impossible. Ils rajoutent 3 gigas de l'heure. Du coup, c'est une bonne solution parce que tant que tu as une machine suffisamment puissante pour avoir 2 jours de blockchain, tu t'en fous que tes blocs soient gros et machin. Et moi, je trouve que la solution de Solana, elle est extrêmement élégante. J'ai mis du temps à comprendre ça parce que je suis un maximaliste reporté. Mais une fois que ça a fait clic dans ma tête, que j'ai fait mes propres recherches, je me suis dit, en fait, on s'en fout, vas-y, t'as un nœud à 20 litres de balle, mais en même temps, t'es validateur, c'est un métier, et c'est du delicated proof of stake, donc il y a des gens, c'est une industrie. Aujourd'hui, être mineur, à part si t'es un bitcoiner vraiment ras du front, tu vas sur une mining pool, donc tu vas juste déléguer ton stake à des gens dont c'est le métier, parce que c'est un métier de sécuriser une blockchain. Et du coup, la solution de Solana, elle est vraiment élégante, et du coup, tout ne se vaut pas. Donc, c'est la seule chose que j'avais à dire là-dessus. Faites vos propres recherches. Je ne suis pas là pour vous vendre une blockchain ou une autre. De toute façon, AVV3 sera partout. Mais que vous préférez Fantôme, Avalanche, Polygon, la BSC, Néon avec Solana, etc. De toute façon, il y aura un AV pour vous. Donc, je ne suis pas là pour vous dire il y a un truc qui est mieux que l'autre. C'est on est là pour transmettre des informations, faites vos propres recherches, mais n'allez pas trop dans le maximalisme. Après, c'est ça. Pour répondre à la question, les transactions sont vraiment indolores sur Solana. Ce qu'ils arrivent à faire, c'est proposer une expérience de DeFi, de tout ce que tu veux, c'est une smart contract plateforme, sans perdre la composabilité, ils ne font pas de sharding, donc tu as beaucoup plus de participants, plus de liquidités potentiellement, et les frais restent indolores, même si le network parfois montre ses limites et il peut être attaqué, entre guillemets, comme on l'a vu sur les dernières semaines. C'est vraiment une autre échelle de prix. Je pense qu'on est parfois à moins de 5 centimes, moins d'un centime par transaction, alors que sur certains réseaux comme Arbitrum ou Optimism, Arbitrum, après, ils ont leur mise à jour Nitro qui a peut-être amélioré le truc, mais tu payes quand même parfois plusieurs dollars pour coller un contrat. Ça, c'est pas toujours acceptable. Mais tous ces systèmes, après, qui décentralisent, qui proposent une expérience de DeFi low cost, ils ont tous un peu leur trade-off, comme je disais avant, leur problème. Même les systèmes de ZK Rollup, ils sont pas parfaitement décentralisés parce que le prouver, c'est une machine de la NASA. Ok, ça peut être vérifié par tout le monde. Après, je suis d'accord avec toi sur Optimism, pas Optimism, mais les Optimistic Rollup, là où il y a une part de confiance sur le validateur. Sur les ZK, c'est moins vrai dans le sens où il est là juste, le validateur est là pour vérifier la preuve mathématique. Et en fait, il ne pourrait pas, à ma connaissance actuelle, je ne suis pas un expert, c'est extrêmement complexe, les zéro knowledge, et clairement, c'est des maths qui sont au-delà de mon niveau, et je le dis en toute humilité. Mais dans ma compréhension actuelle,
Il ne me semble pas qu'un validateur, un séquenceur, je ne me souviens plus du terme précis, dans un système ZK puisse tricher. De toute façon, il reçoit une Merkle tree, il vérifie quelques parties du truc et il y a très peu de chemin. Je pense... Moi, le seul problème que je pointe du doigt, c'est que tu as deux. Tu as les prouveurs et tu as les vérifieurs. Et le prouveur, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir un prouveur sur un système de roll-up. Donc, on peut toujours te jeter la pierre et dire ouais, mais c'est pas la... C'est vrai, c'est ça. Ouais, mais donc tous ces systèmes en fait, qui proposent des frais peu chers. Je pense qu'ils se valent tous, hein. Faut juste aller là où on trouve son compte, là où les frais conviennent, là où la finalité convient, parce qu'il y a des systèmes aussi, on n'a pas envie d'attendre 30 secondes pour le settlement d'une transaction, c'est à l'appréciation de chacun. Et à terme, est-ce qu'Ethereum, est-ce qu'on ira après faire nos trades sur Ethereum, etc. Ça, c'est une autre question. Faut voir comment se passe la transition, mais ouais. Ouais. Moi, ma position actuelle, c'est que je vais sur des réseaux pour faire des choses et pour évoluer dans des écosystèmes. Donc, je suis, par exemple, un très grand fan d'Avegochi. Ben ça se passe sur Polygon. Aujourd'hui, mes stables, ils travaillent sur Avalanche. Il y a StakeDAO qui a un boost Avalanche Rust. Du coup, ils offrent entre 40 et 50% sur du stablecoin. Je peux te dire que moi, je le prends, hein, franchement. Faites vos propres recherches, hein, bien sûr. Non, mais si c'est intéressant, risque, attends, petit focus sur tes stablecoins, non, parce que moi, justement, je les utilisais bêtement. Non, mais ça m'intéresse. Je passais bêtement. Moi, j'aime bien, en fait, les yield aggregators, enfin, les optimizers. Il y en a deux sur Avalanche, essentiellement. On va dire que c'est yield IAC et Bifi. Mais j'ai pas observé les strats de StakeDAO sur. Ils proposent du stablecoin en ce moment avec un boost intéressant. C'est ça. En gros. Je suppose qu'ils passent par AV. Ouais, en fait, la seule chose que tu fais, c'est que tu apportes de la liquidité sur la pool AV de Avalanche, qui te rapporte naturellement entre 12 et 13%. Et en fait, ces tokens d'apport de liquidité, tu peux les staker sur StakeDAO. Et comme, tu sais, il y a le programme Avalanche Rush, tu peux une trentaine de pourcents, voire un petit peu plus, en WAVAX. Donc, tu as ton rendement de 12-13% en stable, et en même temps, tu as un rendement en WAVAX que tu peux après échanger contre des AVAX, que personnellement, je conserve, mais c'est pas un conseil. Mais si vous voulez être full stable, vous pouvez claimer ces WAVAX, les échanger contre du stablecoin et les remettre dans la stratégie. C'est up to you. Si vous nous écoutez, vous faites comme vous voulez. Mais si vous faites cette stratégie, tout échanger en stable, en ce moment, je crois qu'on est à 40 et je crois qu'au plus haut, on était à 50%. Ce qui est très sympa. Ah ouais, et avec des frais surtout et une qualité d'usage qui est intéressante parce que bon, ça va être sur Avalanche, c'est de l'ordre de $3. Ça va coûter $3. L'opération complète, ça va être à peu près $3 de frais de transaction. Ce qui est intéressant. Moi, l'autre chose que j'aime bien sur Avalanche, c'est farmer mes AVAX. Hein. Et en ce moment, ils ont été longtemps au-dessus de 20%. Là, c'est au-dessus de 10%, on va dire que c'est à 15%. Ça passe par des DAP de type AAV. Bifi aussi. Ouais, Bifi, voilà. Les Mobifi qui t'offrent un rendement assez intéressant. Donc, quand tu as des AVAX, tu peux les mettre sur Bifi, tu obtiens du Mobifi qui te rapporte déjà naturellement, je crois, entre 10 et 30%, mais je crois qu'on est plus proche de 10 maintenant, forcément. Hein, et en fait, c'est Mou AVAX. J'avais fait un friend chart à l'époque sur mon Twitter là-dessus. Les mettre directement sur MyFinance, qui est un protocole que j'utilise énormément pour farmer en ce moment, en collatéral, pour créer du MAI, donc dans un vault, et ce MAI, tu peux l'apporter sur Curve, et là encore, tu as un boost qui te rapporte une trentaine de pourcents, ce qui fait que sur du AVAX pur, tu as un bon rendement, et si tu boucles la boucle, comme je le fais, tes stablecoins vont sur StakeDAO, te rapportent du WAVAX qui vont sur Bifi, le Bifi va sur MyFinance, le MAI va sur Curve, et hop, une belle boucle et tu fais du stable un joli rendement. Voilà. Si vous avez rien compris, je fais des French Sharp où il y a ou alors on peut montrer. Je partage l'écran. Parce que c'était l'autre partie. Et j'avais encore, tu vois, dans cette file de discussion, deux sujets qui intéressent tout le monde, je pense. C'est le farming. Donc là, c'est ce que tu es en train de décrire. Moi, ce que j'aime bien dans le réseau Avalanche, parce que vous avez parlé de la technique. Donc, on peut choisir un réseau en fonction de la technique, mais on peut choisir un réseau aussi en fonction de l'écosystème. L'intérêt de Avalanche, c'est que tu as déjà AAV et Curve.
et qui sont deux protocoles monstrueux. Et donc, quand tu as ces DApp, en fait, tu peux choisir un écosystème en fonction des DApp aussi. C'est-à-dire qu'il y a la technique et il y a les DApp. Et moi, c'est souvent ce que je fais. Et donc, je suis très content quand je vois des killer apps qui sont sur un autre Elon. Ce qui n'est pas encore le cas sur Solana, par exemple. Ils n'y sont pas encore sur Cosmos, que j'adore par ailleurs. Mais alors, sur Solana et Cosmos, c'est un peu l'alpha. Tu as Neon. Ça a déjà été dit officiellement. Où AV va se déployer très probablement la V3 dessus. Pas tout de suite, parce que c'est un projet qui est très très jeune, mais prochainement, c'est quelque chose qui arrivera avec un haut degré de certitude, sauf si la gouvernance d'AV dit non, absolument, on n'en veut pas. Mais a priori, c'est pas du tout le mood dans la communauté AV et dans la gouvernance AV actuellement. Et donc, AV sur Solana par le biais de Neon, donc accessible avec votre MetaMask, etc. Et sur Cosmos, il y a EVMOS, EVMOS, qui est pas un layer 2, puisque le système Cosmos, en fait, c'est de multiples blockchains, c'est pas ce concept de layer, mais qui est une chaîne Cosmos compatible EVM, où on pourra avoir AV probablement aussi en 2022. Et surtout, moi, je travaille directement sur ce dossier-là, avec des synergies avec Osmosis. Qui a un super projet. Et on est très early actuellement, hein. Vous attendez pas, c'est de la pré-alpha leak, mais ça prendra quelques mois, mais quand on sera prêt, ce sera, je pense, hyper intéressant, parce que Cosmos, c'est un écosystème, moi j'ai été impressionné à Lisbonne, je suis allé à la conférence Cosmos, qui était super qualitative, et j'ai rencontré pas mal de monde, pas mal de builders. C'est pas très connu, l'écosystème Cosmos, mais c'est vraiment qualitatif, quoi. Ok, mais c'est super. Et tu voulais nous partager, je sais pas si tu as trouvé pendant ce temps-là, le petit schéma de farming qui va être diabolique. Hein. Je préviens les lecteurs, parce que moi, j'ai déjà suivi ton fil, et j'ai vu des boucles, des enfers, mais qui me remplissent toujours de joie. Hein. C'est-à-dire, je vais vous faire la version simple. Je vais me promener dans les trucs. De toute façon, vous pourrez voir le replay. J'ai pas d'adresse où il n'y a pas beaucoup de sous. ça, c'est les problèmes qu'on aime. Ça, c'est un problème qu'on aime. Voilà, dans cette adresse-là. C'est Noël. Hop. Pardon. Bah, pourquoi ça ne partage pas l'écran ? Désolé, problème en régie. Slide, share screen. Tac. Et le second sujet, après le farming, ça sera un petit point sur les NFT. Vous voyez mon écran, n'est-ce pas ? Hop, ça y est. Donc, StackDAO, moi j'utilise le wallet Frame, mais vous pouvez utiliser MetaMask. Hein. Et, moi je suis très très fan du wallet Frame. Et dans Stratégie, vous pouvez aller directement dans Avalanche, et en ce moment, ça rapporte 40%. Que tu déposes dedans ? C'est quoi que tu déposes des... On dépose des AV3CRV. Qu'est-ce que c'est que ce nom barbare ? Alors, ce nom barbare, en fait, c'est simplement des tokens. Vous pouvez cliquer ici. Désolé, je vais un petit peu vite. Vous pouvez cliquer ici pour obtenir ces tokens-là. Et ça va vous emmener directement dans la bonne page de Curve. Magnifique. Et en fait, si vous avez des stablecoins, vous pouvez les déposer directement. Attention, ne stakez pas dans la gauche. Oui. Faites juste une opération de dépôt. Et en fait, ça va vous donner ce fameux token de liquidité chez eux qui va vous rapporter déjà un petit pourcentage. Quand on regarde faire ça sur AV, ça rapporte 3 plus 12, 66, donc presque 17%. Donc, c'est déjà 17% de rendement sur des stablecoins, avec 3% en stablecoin et 12,66% en AVAX, WAVAX, et un tout petit peu de CRV. Donc, ça, c'est déjà... Qui sont des super cryptos, hein, moi, je ne donne pas ces trucs-là. Après, vous pouvez faire le choix, si vous voulez, faites vos propres recherches, de revendre ces cryptos que vous recevez. Mais AVAX, c'est l'actif natif de la blockchain Avalanche qui ne fait que grossir. Et CRV, Curve, c'est l'un des maîtres de la finance décentralisée. Voilà, exactement, clairement. Vous vous retrouverez avec ces trucs-là, vous pouvez déposer. Et quand vous déposez, vous allez du coup obtenir les 12% de cette stratégie. Et ensuite, vous pouvez staker ces tokens de dépôt
que vous avez, qui sont en fait des SDAV3CRV. C'est des noms barbares, mais en fait, SD, ça veut dire bon. Steak et AO, et AV3CRV, D3CRV, donc de la pool avec trois stablecoins sur Curve, et dans la pool AV, et du coup, déposé sur Steak et AO. En fait, cette nomenclature, une fois qu'on la comprend un peu comment ça fonctionne, ça devient naturel. Et quand vous déposez là, faites bien attention, il faut déposer une première fois ici et déposer une deuxième fois là. Vous, on touche le 20% de extra. Voilà. Vous allez toucher le extra 24%. Donc, c'est plutôt pas mal. Faites très attention. Vous déposez pour le long terme, pas pour deux jours. Parce qu'il y a des frais de retrait sur StakeDAO. Comme en fait, ils font tout ce truc de vous déposer à votre place sur Curve, que collecter les rewards à votre place, revendre les rewards pour plus de stablecoins, etc. Eux, ils se prennent des frais pour vivre, tout simplement. Et ces frais sont de 0,5%. Comme le rendement est de 40%, ça veut dire que les 5-6 premiers jours, mathématiquement, vous travaillez pour StakeDAO et ensuite vous travaillez pour vous. Soyez très, très, très attentifs à ça. J'ai une question, Marc. Oui, une fois que tu as déposé, que tu as fait toutes ces boucles, que tu as bien fait attention aux frais de retrait, donc que tu fais pas l'idiot et que tu les retires pas dans les 5 jours, tu laisses faire la stratégie et ça compounde automatiquement, ça réinjecte automatiquement, exactement. Ça fait la boucle. C'est un truc, c'est vraiment passif, tu n'as rien à faire. Et si tu le laisses un an et que le taux se maintient, ce qui n'est pas sûr, mais ça donnerait du 39%. C'est ça. Alors, c'est incroyable. C'est quelque chose que je valorise. Il y a quelque chose qui est important, c'est que les rewards en AVAX, il faut venir les clémer. Ah, voilà. Moi, je le fais une fois par semaine à peu près. Certains pourraient le faire une fois par mois. Ça dépend vraiment de vos dépôts et puis de votre envie. Mais je le fais une fois par semaine. Pourquoi ? Parce que je rajoute des trucs dans la boucle après. Mais vous allez les avoir ici et il faudra les clémer. Donc, il faudra cliquer sur le bouton. Ce ne sera pas zéro. Et vous aurez un chiffre là que vous pourrez clémer. Donc, il y a une partie qui est parfaitement autonome, qui boucle, et il y en a une autre qu'il faut récolter et réinjecter, si on veut l'APY total, enfin maximal. Quand vous avez des WAVAX, pour obtenir des AVAX, c'est très très simple. Vous allez sur Paraswap, vous ne prenez pas la tête. Non, putain, ils sont chiants, Paraswap, maintenant, il faut dire qu'on n'est pas américain. Bon, vous allez sur Paraswap, et vous choisissez WAVAX ici, AVAX là. Ça va vous coûter 30 centimes de frais de transaction parce que c'est une opération assez simple sur la blockchain et vos WAVAX vont devenir des AVAX. Et il n'y a rien d'autre à faire que ça. C'est vraiment très, très simple. Donc ça, il faut le savoir, mais une fois qu'on le sait, c'est extrêmement simple. Vous swappez, c'est comme si vous étiez en train de trader des WAVAX contre des AVAX, mais un WAVAX, vous allez obtenir exactement un AVAX. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Et merci beaucoup, Marc. C'est très intéressant. Moi, je suis un grand fan. Ah de... On n'a pas fini. Ça, on ne va pas se contenter de 40% quand même. On pas n'importe quoi. Ah, alors 40%, ce n'est pas terrible. On n'est pas dans la défi pour faire 80 ans de livret A en un an. Une vie de livret A en un an, ce n'est pas assez. Alors, attention, il y a quand même des risques. Hein. C'est là que ça devient intéressant. Alors là, vous êtes sur Bifi Finance, qui est un protocole qui fait du farming et qui est vachement bien. Qui est une petite moi aussi, parce qu'il est cross-chain. Et d'ailleurs, il vient de la BSC. Donc vous voyez, je suis vraiment un maximaliste repenti comme garçon. Et là, vous descendez et vous allez trouver. Hop, hop, hop. C'est pas celui-là. Il est un petit peu difficile à trouver. Faut choper c'est le bon. Celui-là. Ah, voilà, c'est le AVAX qui utilise AV. Et quand vous déposez là-dedans, vous allez recevoir ce qu'on appelle des mou AV AVAX. Donc en fait, des AVAX qui sont déposés dans la stratégie AV de Bifi. Et comme Bifi, c'est une petite vache, et ça s'appelle mou les tokens. Voilà. La nomenclature, au début, elle fait peur. Et au bout d'un moment, c'est comme dans le film Matrix, qui est sorti d'ailleurs au cinéma, que je n'ai pas encore vu. S'il vous plaît, ne spoilez pas dans le chat. Tu sais, dans Matrix, il regarde le truc, c'est encodé. Et à un moment, il dit, oh oui, mais une fois que tu sais lire l'encodage, tu vois plus qu'une brune, une blonde, une rousse, etc. Et c'est un peu le même truc. Donc là, vous pouvez déposer là, ça vous rapporte 12%, 11,58% sur vos AVAX que vous avez collectés gratuitement grâce à StakeDAO. Et ça vous donne des mou AV AVAX. Alors c'est là que tu m'intéresses, parce que moi jusqu'à présent, donc ça c'est facile. Là. Vos 40% se transforment en 40% plus sur votre rendement
11,5% supplémentaire. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Mais on va pas s'arrêter là quand même. Et ouais, est-ce que ces mouavas que tu vas jouer, tu vas les jeter quelque part ou tu vas les torturer un peu? Ah bah oui, je vais les... Mais fais-moi les travailler, là, ça ne bosse rien, là, c'est des... Parce que ça ne bosse pas, là, c'est un peu nul, ça ne bosse pas. Et du coup, on va sur un troisième protocole qui s'appelle MyFinance. Ah. MyFinance, c'est un protocole qui, un peu dans le fonctionnement, ressemble à MakerDAO. MakerDAO qui produit le stablecoin DAI. Eux, ils produisent le stablecoin MAI, qui s'appelait Mimatic avant, mais comme ils sont devenus multi-chain, ils ont rebrandé en MAI. Et ils ont un vault qui est assez intéressant, qui s'appelle le Bifi AVAVAX. Actuellement, il est plus disponible parce que il y a plein de malins qui ont profité du truc. Voilà, toi Marc, t'as pris toute place. Toute la place, je suis un salaud. Oui. Mais en fait, on peut créer un vault et avoir jusqu'à 135% de collatéralisation. Attention à vous, les blockchains les actifs de blockchain sont volatiles. Donc, je vous conseille plutôt d'avoir 170-180% de collatéralisation, voire 200% pour être tranquille. Comme ça, même si le AVAX perd 30% dans la journée, vous n'êtes pas liquidé et tout va bien. Et quand vous obtenez des MAI, et je termine là-dessus parce que j'ai été un petit peu long, ces MAI, vous pouvez retourner sur Curve. Donc, c'est vraiment une boucle. Hein. Mais cette fois, au lieu d'aller chez AV, vous allez sur MAI. Il y a comme MAI qui vous apporte. Vous allez déposer vos MAI sur cette plateforme-là, donc un dépôt, directement vos MAI que vous avez créés gratuitement, dans le sens où vous avez emprunté par rapport à vos MOU AVAX qui sont déjà en train de rapporter des sous. Et ces MAI-là, vous les apportez en liquidité ici. Et là, vous pouvez choper 25% supplémentaire sur ces stablecoins directement dans cette stratégie-là. Et là, on a une jolie boucle avec quatre protocoles, enfin trois protocoles, mais un protocole qui est utilisé deux fois, une fois au début de la boucle, une fois à la fin de la boucle, où on chope 40% au début, 15% après et 25% ensuite. Alors moi, ce qui m'intéresse, Marc, aussi, c'est que donc il y avait AAV et Curve qui sont deux DApp, on va dire, historiques, énormes, très valables, parce que évidemment, à force de passer par des couches protocolaires, on empile aussi les risques. Donc il faut quand même avoir une certaine confiance dans les opérateurs. Donc les deux premières, évidemment. Moi, étant donné que j'ai fait mes armes sur la BSC, je connaissais Bifi et en fait, c'est une des premières DApp de la BSC qui a fait justement de l'optimisation de yield. Ils sont là quand même depuis maintenant des mois et des mois. Ils ont fait pas mal de protocoles, ils ont de la TVL. Ils peuvent évidemment foirer, hein, comme tout le monde, ils ont quand même un track record respectable. Et je ne connaissais pas MyFinance, même si j'ai vu le MAI un peu partout. Mais est-ce que tu nous en parlerais quelques mots, hein, tu vois, est-ce que... Alors, MyFinance, d'ailleurs, Benjamin de l'équipe est francophone. Il n'est pas français. Il est d'origine chilienne, si je ne dis pas de bêtises. J'espère ne pas l'insulter si c'est un pays limitrophe. Mais il est francophone et hyper sympa. Donc, si vous voulez l'inviter un jour, on l'avait fait sur la chaîne Cryptomatrix il y a environ 6 mois pour présenter le protocole à l'époque. Et du coup, c'est une très bonne équipe, c'est une petite équipe. On est sur un protocole qui représente 125 millions de dollars de dépôts. Donc, c'est honorable, mais on est loin des géants de la DeFi à plusieurs dizaines de milliards, etc. Mais c'est un protocole qui est jeune. Ils ont vraiment à cœur de faire un stablecoin qui est décentralisé. Moi, je suis plutôt impressionné. Je les suis depuis quasiment le premier jour. Pour l'instant, ils n'ont pas eu de problème. Est-ce que c'est sans risque? La réponse est non. Non. Plus un protocole est jeune, plus un protocole est risqué. Mais pour avoir travaillé et suivi l'équipe depuis un moment maintenant, j'ai un indice de confiance qui est au-dessus de zéro, clairement. Maintenant, faites attention à vous, faites vos propres recherches. On est sur un protocole jeune. Ok, mais c'est super. Moi, je suis très content. Donc, là, il nous reste, parce que c'est un format plus court, hein, je crois, cette série. Le sujet chaud, hein, qui intéresse tout le monde et qui est aussi dans tes domaines de compétences avec, évidemment, tes passions qui sont subjectives, mais néanmoins intéressantes, c'est les NFT et donc tes coups de cœur. Les dernières tendances, j'ai vu que il y avait eu tout un drama autour des NFT. J'étais assez en phase avec ce que tu avais dit sur Twitter autour des NFT et du gaming. Donc, un petit point sur l'NFT et ensuite tes coups de cœur, ce que tu suis et pourquoi, sachant que ce n'est jamais des conseils ou des recommandations, mais nous, ça nous permet de découvrir des produits. Il y en a qui les connaissent déjà. Voilà, ton petit point de vue sur l'NFT et les tendances du moment.
Alors moi, le NFT, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le gaming et le play to earn. Clairement, aujourd'hui, j'ai deux amours. Je vais parler en premier parce que c'est sur une blockchain qu'on n'a pas encore évoquée aujourd'hui. C'est DeFi Kingdoms avec l'actif JWEN qui a explosé en valeur. Faites attention à Oui, lui, le salaud. il a pris beaucoup, beaucoup de valeur. Il coûtait moins cher quand j'ai commencé à en parler, mais là, faites attention à vous. En plus, les tokenomics sont un petit peu, je dirais pas Ponzi, mais qui vont Explosif. bénéficier. Non, mais ils vont bénéficier clairement aux premiers arrivés. C'est un peu comme Axie Infinity. Après, si c'est à comparer à Axie Infinity, on est au tout début, clairement. Mais attention à vous là-dessus. C'est hyper, hyper cool. La communauté est très active. C'est un jeu où le jeu existe. On peut avoir des héros. En fait, c'est un système de héros où, qui peuvent avoir des professions, qui peuvent avoir un petit peu plus tard dans le jeu des quêtes, etc. Tout ce genre de choses. Et les graphismes, c'est du pixel art que je trouve vachement beau à titre personnel. Donc voilà, ça c'est. Et c'est sur Harmony, qui est une Ah, blockchain voilà. qui est relativement pas récente. Elle existe depuis un moment, mais récente en termes d'adoption et qui est encore un petit peu sous le radar avec le token One. Donc moi, je vous invite, c'est pas un conseil en investissement, je vous invite à regarder, à faire vos recherches là-dessus. On n'est plus ultra early sur ce projet-là, donc ayez bien conscience de ça. Mais ça reste un projet qui est intéressant. Et mon deuxième, bah, c'est mon grand amour, hein, Avegochi. C'est même une addiction. Je devrais me faire traiter parce que bah, j'arrive pas à décrocher d'Avegochi. Et là, on est clairement sur une gamification de la finance décentralisée avec ces fameux personnages qui sont les Gotchi, qui peuvent détenir du collatéral qui est directement déposé dans la DeFi et qui travaillent, qui peuvent avoir des parcelles dans un métaverse qu'on appelle la citadelle. Et là, le jeu n'est pas encore sorti. Là aussi, on n'est pas hyper early hein, dans la Gotchi. Faites très attention à vous. Les prix ont explosé par rapport au début. Je crois qu'un Ghost, qui est la monnaie du jeu, c'était 30 centimes. Maintenant, on est aux alentours de 2,40 $. On a fait presque x10. Faites bien attention à vous. Faites vos propres recherches. Et le jeu sort fin janvier. Donc, on attend tous avec impatience. J'ai fait il y a 2 jours le stress test. Ah, 3 jours. Le stress test des serveurs et donc la pré-alpha du jeu. Donc le jeu n'était pas encore ouvert, c'était juste, ils voulaient des centaines de joueurs en même temps pour voir si les serveurs tenaient. Et du coup, bon, j'ai pu faire des photos et me promener dans le métaverse et un peu attaquer les gens, mais je me suis fait défoncer. Il faudra faire attention. Et les gens étaient cool, ils prenaient des selfies avec moi dans le jeu. Ils mettaient leur petit personnage à ouais. côté du mien, ils le mettaient sur Twitter, c'était assez cool à voir. Et donc voilà, avec Ochi, hyper cool, et ça sort le mois prochain. Mais ces deux projets-là, dans le NFT et le gaming, c'est pas ultra early. Faites attention à vous. Mais ouais. Déjà beaucoup augmenté en prix. Et ensuite c'est du play to earn, donc il pourrait. Mais je maîtrise pas ça, mais ce serait les tokenomics, quels seraient les. Il y a des Alors, floors. Est-ce que ça marche avec des floors ou pas? Est-ce que. je vais plus parler de Avegochi parce que Oui. DeFi Kingdom, c'est hyper intéressant. Mais Avegochi, je trouve que leur tokenomics est vraiment intéressant dans le sens où ils ont vraiment pensé à un écosystème global. Donc, Avegochi, c'est un métaverse d'abord. Tu peux avoir des parcelles avec ton petit ghost et ces parcelles ont des ressources. Il y a 4 ressources dans le jeu que tu peux farmer directement sur ta parcelle. Et ces ressources te permettent d'installer des choses sur ta parcelle. Donc des équipements qui te permettent de farmer plus, des trucs esthétiques, etc. Et ça va être vraiment le cœur du jeu, le cœur du gameplay, la loupe de gameplay, ça va être de farmer et d'être agriculteur dans sa parcelle à l'intérieur d'une partie du métaverse qui est importante, qu'on appelle la citadelle, qui a des murs, un peu comme l'attaque des titans. Je ne sais pas si vous connaissez cet animé. Il y a trois murs, et du coup, c'est une cité en trois murs. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui se passe à l'extérieur des murs. Parce qu'à l'extérieur des murs, bah, il y a plein de ressources et tu n'as pas besoin d'être propriétaire de la parcelle pour y aller. Sauf qu'à l'extérieur des murs, il y a ce qu'on appelle le liquidateur. Et les liquidateurs, c'est les ennemis du jeu. Et Mais celle-là, si c'est tu les ennemis de tout le monde. Hein. as... Voilà, les liquidateurs, s'ils t'attraquent, ils te défoncent et Y a Julien Bouteloup Ils t'attrapent, ils te défoncent et ils te font les poches. Littéralement, ils te font les poches. Et du coup,
Ce qui est ultra intéressant dans la Legoci, c'est que premièrement, bah, les Legoci qui jouent dans la citadelle, bah, c'est les gens qui possèdent un Gochi. Aujourd'hui, un Gochi, bah, ça a une valeur monétaire hein, qui est assez chère. Je crois que les Gochi les moins chers se négocient aux alentours de 700-800 $. Donc, c'est quand même une sacrée somme. Et ça peut monter à plusieurs centaines de milliers de dollars pour les espèces les plus rares. Mais ça n'aura pas forcément de bonus dans le jeu. Hein. C'est avoir un Gochi qui vaut un demi-million de dollars et avoir un Gochi qui vaut 600, ils farmeront relativement pareil. Par contre, dans le PVP, ça peut avoir des différences. Dans la partie plus PVP où on pourra peut-être se défendre un petit peu mieux contre les liquidators, mais ça va pas être du simple double. C'est pas non plus un pay to win. Et ça c'est les gens qui ont des trucs. Mais le coup de génie d'Avegochi, je pense, dans leur économie, c'est que déjà pour construire des choses, il faut les quatre ressources et il est très rare, voire impossible, d'avoir les quatre ressources sur sa propre parcelle. Donc, il faut échanger les ressources dans l'échange décentralisé du jeu, ce qu'on appelle le Alchemica Decentralized Exchange. Donc déjà, ça force les échanges, ça force du volume sur le truc pour construire des choses dans le jeu. On peut gagner plus de sous, ou alors si on ne peut pas s'offrir une parcelle ou si on n'a pas envie de louer une parcelle, on peut se farmer mieux dehors, mais dehors, on est à l'abri, on n'est pas à l'abri de se faire attaquer. Du coup, il faut s'organiser en guild, ce qui renforce un peu l'aspect gameplay du jeu. Et il y a beaucoup de guilds qui s'organisent pour aller préparer des expéditions en dehors de la citadelle. Et le troisième truc, et ça c'est le vrai coup de génie, c'est qu'il est liquidator. C'est en fait le jeu pris free-to-play. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de mettre 700 balles dans un jeu à blockchain, vous pouvez jouer gratuitement, devenir un ennemi du jeu et aller défoncer des riches et vous faire de la thune parce que les alchemica que vous faites en défonçant des joueurs sont des vrais items et tokens du jeu qui ont une valeur marchande. Donc vous pouvez vous organiser avec vos 30 copains qui n'ont pas envie de payer, vous faire une embuscade pour des gens qui font une sortie, défoncer une guild, leur faire des poches et vivre la grande vie de pirate et peut-être que vous ferez assez d'argent en vendant de l'alchemica pour vous acheter votre propre gochi. Et ça, je trouve que c'est un coup de génie, parce que déjà, ça équilibre un petit peu l'économie du jeu. Même si vous n'avez pas de sous, vous pouvez jouer un petit peu le pirate. Et aussi, il y aura des événements une fois par trimestre à peu près, qu'on appelle, une sorte d'apocalypse, etc., où les murs seront potentiellement destructibles. Donc, si vous vous organisez avec quelques amis pour attaquer les murs de la citadelle pendant ces événements particuliers où les boucliers, le dôme qui la protège magique ne marchera plus, vous pouvez casser les murs et vous pouvez casser et piller et mettre le chaos complet dans la citadelle, ce qui force les joueurs qui ont des gochis déjà à s'organiser en guild pour se défendre et défendre les murs, etc. Ça va être un petit peu Lord of the Ring, aller protéger la citadelle. Et deuxième truc, c'est que comme d'un point de vue économique, comme ces raids arrivent régulièrement et que ce qu'il y a sur les parcelles est réellement détruit, il faut reconstruire. Donc, il faut continuer à farmer, il faut continuer à échanger des ressources, ce qui permet de continuer d'avoir une économie qui est sustainable et pas une hyperinflation qu'on trouve dans la plupart des jeux. En fait, l'un des jeux qui a l'économie la plus complexe du monde, c'est Eevee Online. Et l'un des gros problèmes de l'économie d'Eevee Online, c'est que les astéroïdes dans ce jeu-là qui constituent la base des ressources du jeu, ils apparaissent à l'infini. Et comme ils apparaissent à l'infini, eh ben, plus rien ne vaut rien au fil du temps, puisque la ressource de base est infinie, donc elle s'accumule, et en fait, la valeur de tous les objets ne fait que baisser, et donc ils ont une inflation à 8 chiffres, enfin peut-être pas à 8 chiffres, c'est pas non plus le Venezuela, mais ils ont une inflation forte sur leur jeu. Là, du simple fait que, en fait, très régulièrement, il y a de la destruction, et il y a ces actes de piraterie, ça rééquilibre les choses, et du coup, on garde une certaine rareté dans le jeu. Ok, mais c'est très intéressant, ça donne envie. Et par contre, ça suppose quand même d'être actif. C'est-à-dire que si tu... Alors, Avegochi, c'est un jeu qui est extrêmement rentable pour les joueurs actifs et bof pour les joueurs inactifs. C'est-à-dire que j'ai dit qu'un Ghost s'est passé de 30 centimes à 2,40 $. Donc, les gens qui ont acheté sur Binance à l'époque et ont fait x8, c'est vachement bien, et franchement, bravo. Oui. Mais les joueurs actifs ont fait beaucoup plus que ça. Clairement. C'est, parce qu'il y a la spéculation sur les items qui peut se faire, il y a les gochi, si on a le bon gochi avec les bonnes stats, en fait, il est un petit peu plus rare. Et en fait, les rendements, les joueurs actifs sont extrêmement bien récompensés.
Mais c'est le concept du play to earn, hein. C'est voilà, c'est-à-dire qu'il faut être actif pour avoir des rendements. C'était super. Non, je crois qu'on arrive, mon ami, c'est toi qui le maître du temps, hein. Je ne sais pas quels sont, quel est notre. Si on rentre dans le format, hein, c'est la phrase classique Ah de fin d'émission, mais il y a beaucoup plus de sujets qu'on peut aborder. Ce sera peut-être l'objet des futures émissions. En tout cas, c'était hyper intéressant. Donc, merci, Marc, pour ouais, non, commencer. c'était passionnant, j'aurais pu rester des heures. Hein. Bah, Ouais. mais c'est toujours cool de passer au journal du coin. Hein. C'est toujours un grand moment. Et j'espère qu'on pourra se retrouver bientôt. Bah Peut-être oui. à Paris ou ailleurs. C'est quand Bah le pour destin se Avalanche, ça c'est présentera. sûr. Hein. Vu que Alors c'est demain. tu vas pas à Burgerland, donc Avalanche, ouais. Bah, Avalanche, c'est cool. On va Ouais. tous se retrouver à Barcelone et j'espère dans la communauté. Si vous n'êtes pas loin, si vous en avez l'envie, n'hésitez pas à vous pointer et à faire coucou. C'est toujours important et Avec intéressant de plaisir. rencontrer les gens de la communauté. Clairement, je pense même que porter le concept de l'émission de la semaine dernière dans d'autres villes et créer des streams et un peu donner une vue complète de ce qui se passe sur l'événement depuis les lieux, ça pourrait être aussi super intéressant. Bref, beaucoup de belles choses à imaginer. C'était très cool de t'avoir sur l'émission. Benoît aussi, merci pour ta présence, ta bonne humeur, tes questions. Merci à l'audience. Merci à tous les abonnements que je n'ai pas vus. Parce que je ne consultais pas le chat Twitch pendant l'émission. J'utilisais le chat dégueulasse de l'application de streaming. Et donc voilà, merci pour les abonnements, merci pour les commentaires, la bienveillance. Et surtout, faites vos propres recherches, faites attention et à très très vite sur les internets. Merci encore.